mesdames et messieurs. Audinciens, audinciennes, chers amis, camarades, ben déjà bonsoir. Nous sommes ce soir dans l'antre du mal. Nous allons à la rencontre des plus grands cerveaux criminels de notre époque. Leur but, faire sombrer le monde dans la misère, car plus le monde va mal, plus le marché prospère. Leurs armes, la finance, la mode, le luxe, les trafics en tout genre. Non, nous ne sommes pas en école de commerce, mais bien la comédie musicale 2017. Je suis, mesdames et messieurs, chers amis, très heureux de vous voir si nombreux dans cette salle. C'est un privilège, un honneur que de vous présenter notre comédie musicale sur laquelle nous avons travaillé depuis si longtemps. C'est un travail, vous savez, de longue haleine et collectif. C'est pourquoi je me dois de remercier l'ensemble des participants à cette comédie musicale, qu'ils soient la première année, artistes, coachs, organisateurs, et bien sûr l'ensemble de la régie de l'équipe technique du Théâtre d'Orvault. Je les remercie pour leur professionnalisme, leurs idées et leurs bons conseils. Dernier message, pas des plus plaisants, merci d'éteindre vos téléphones portables, évidemment. Car leur utilisation gêne la performance, etc., etc. Je vous souhaite un agréable spectacle et une très bonne soirée. Rien ne va plus. Mais alors rien! Rien! Nada! Non mais sérieusement! Qui nous a foutu des aborreux, c'est pareil! Entre les casques bleus, Amnesty International et Greenpeace, les trafics d'esclaves sont sortis de l'ombre comme les banlieues de la misère. C'est la merde! Tu l'as dit, Bouffi. Oh, ça va, Colette! Merci. Pas besoin d'ironiser là-dessus.
Qui nous a foutu des abrutis pareils? Pas un seul d'entre vous pour empirer les choses, hein? Soit dit en passant. Alors déjà, et à toi, Barnabé, King de la street, comme disent les petits frats des beaux quartiers. Les taux de criminalité sont en berne. C'est quoi ça? N'importe quoi! Moi, je veux... Je veux... De l'amour, de la joie, de la bonne humeur! Non! Certainement pas. Bah, moi, je veux... Mes viols hebdomadaires. En réunion. Mes appartements ratés! Les meurtres! Les molotovs! Jack l'éventreur doit avoir honte de nous, sérieusement. Le Bronx devient la Suisse, la neige en moins. Tiens, parle de neige. Tu n'as rien pour atteindre, toi. Oui, toi, Colette! La mode, c'est quoi, ça, la coke? Un ramassis de gros tas qui tiennent le brûlé pour une différence louable! J'ai pourtant dit à Ketmas de lancer la mode des slims. Leur faire ressentir encore plus l'isolement. Inciter les compagnies aériennes à payer deux places. J'étais sur tous les fronts, les gars. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute à moi. Et quand tu donnes ta langue au chat, tu vois les autres. Merci, on sait. Tu vas pas nous la faire à chaque fois. Bon, on relativise. Si elles veulent se goinfrer de cupcake en égouttant Mika, grand bien leur fasse. Le cholestérol se chargera de cette plaie bien assez tôt. Ça ne règle pas le problème. Ce ne sont pas elles le problème. Le problème, ce sont ceux qui prétendent réfléchir pour le bien du monde. Nuit debout et compagnie. Ceux qui boivent du vin rouge en lisant Télérama. Ce sont les pires. Ils vont fracasser la bulle financière et seront les premiers à se plaindre qu'elle se soit fracassée. Merci, Phileas. Merci pour ton zèle. Wall Street ne serait rien sans toi. Tu as tout mon crédit. Oui, tout mon crédit. Un peu comme nous, de nouveau. Dès que j'attends beaucoup. Après avoir torturé les plus innocents, et vendu des armes aux plus maléfiques, ils nous reviennent, papa, fringant, nos mercenaires, Jacques et Michel. Merci, merci vraiment. Nous sommes vos... Assez! Je ne vous ai pas demandé de venir pour jouer les amateurs. Je vous ai conviés pour une mission de la plus haute importance. Un projet machiavélique qui permettra de répandre la maladie, d'aggraver la misère, d'aggraver les inégalités. Le mal sera le héros de sa propre pandémie. J'ai nommé ce projet Mission. Ça va passer. De la soie. Quelque chose d'un petit peu plus confortable. Agent Y. Carrément, agent X. Aucun membre d'Interpol n'a jamais eu d'affaires aussi retorse. Le boss nous avait prévenus. On a du pain sur la planche. C'est plus du pain, là. C'est toute la franchise Bennett. Bon. Récap. Récap de rien du tout. Il n'y en a pas un pour attraper les autres. Justement, il faut les empêcher d'agir par tous les moyens.
Et surtout avant qu'ils mettent en route ce qu'ils ont prévu. Mais qu'ils ont pas dit quoi c'était qu'ils avaient prévu. Si les formules comme ça sur le rapport, on est viré. On pourra déjà dire que ce n'était pas une rumeur. La chef est littéralement pire que ce qu'on nous avait dit. Comment la faire tomber? Je ne vois pas. Carrément, on nage un peu dans le flou là, non? Sans compter l'autre neurasthénique, Colette. Elle, elle crache autant de vapeur qu'un autocuiseur. J'ai failli perdre un poumon juste en l'écoutant. Oh. Mais regarde un peu, la collection à poil à plume. Brigitte Bardot était devenue folle. La rumeur veut qu'elle ait décapité un mauvais amant après avoir vu un reportage animalier sur la menthe religieuse. Elle est tapée. Et apprécie de se faire sauter comme un plat wok. Je cite. Hein. Mais ça va plus, service renseignement à l'agence, hein? Ils préfèrent les stagiaires, mais bon, on se croirait sur Cuisine TV. Ça met un peu de piment au moins, non? T'es lourd, agent Y. Je vois que l'autre névrosé, Phileas, il a fait disparaître de la carte tous ses opposants en moins de deux. Ouais, comment ça? Apparemment, il collectionne les bourses de ses opposants. Plutôt cynique pour un trader. S'il y en a un qui s'est fait du blé en 2008, c'est lui. Son deuxième prénom, c'est Subprime. Et tu penses quoi de l'autre là, de Barnabé? Eva? Mignon. Sur l'affiche. Photogénique, le noir et blanc lui va bien. Tu fais exprès. Sombre et dangereux comme une nuit sans lune dans les caves de la Courneuve. Oh là là là, d'accord. Ok, donne-moi ça, merci pour ta contribution. Je pense qu'il est un peu moins pire que les autres. Ça ne veut rien dire. Il n'a pas parlé en fait. Ça ne veut rien dire. Il se met moins en avant. J'aime les gens discrets. Il paraît que Goebbels était d'une timidité maladive et Gandhi un vrai bout en train. Oh, ne se disperse pas. Son argument ne tient pas la route une seule seconde. Ça suffit. Colette, tapez. Phileas, jetez. Barnabé, sexy. Mais elle... La pire de tous. On a du pain sur la planche. Thank you.
Dolce, assieds-toi, faut que je te parle. Tu trouves pas que... il y a une ambiance bizarre en ce moment? Barnabé ne parle plus. Alors qu'aux deux dernières réunions, il s'affirmait beaucoup plus. La chef a passé la journée dans le noir. Je le sens. Je le sais, Dolce. Ça va péter ce soir. Non mais Gabbana, arrête. Faut que tu paniques, je te jure. En vrai, le mal règne, c'est des gâchures. Et puis franchement, la chef, elle assure grave. La fiche 203. C'est quoi ça? Des informations sur Barnabé. On dirait son CV. Peut-être qu'il cherche un stage. Et pourquoi ici? Pourquoi là? Ça n'a aucun sens. Je sens que quelque chose de mal va arriver. Bah, c'est cool, non? Mais non. Quelque chose de mal. Enfin, quelque chose de bien. Quelque chose de vraiment, vraiment mal. Tu parles du plan de la chef? Mais non, abruti. Un plan contre la chef. Contre nous. Je le sens, je le sais. En fait, c'est comme si quelqu'un récoltait des informations sur Barnabé. Son maître de stage. Arrête avec tes histoires de stage. On dirait un document des forces de l'ordre. Les gardiens de la guerre. Les gardiens de la galaxie. Plutôt les gardiens de la paix. En tout cas, ça y ressemble bien. Mais qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici? Ils aident la chef. Concentre-toi. Des gens veulent du mal à la chef. C'est pour son bien. Et s'il y avait des infiltrés? Non, je comprends rien. Des infiltrés qui comploteraient contre la chef. Ah ouais, ouais, ouais. Une autre convention du mal. Non, j'ai pas compris. Reste maintenant à savoir qui sont les traîtres. C'est de nouveau là, Jacques et Michel. Ils sont pas nets. Oui, tes intuitions là. Je vais quand même en toucher deux mots à elle. Bon, gardons cette fiche précieusement et tâchons d'en savoir plus. Allez, on se dépêche. Le mal n'attend pas. Mal au sens mauvais, pas au sens du parfum de Jean-Paul Gaultier. Colette, ne sois pas plus stupide que tu ne le parais déjà. Allez. Réussi à répandre le sida partout dans le monde. Comment cela se fait-il qu'Ebola reste limité à un seul continent? Ma reine. Oui. Hein? Hein? Ne m'articule! Impossible d'anéantir le monde sans qu'un imbécile vienne vous déranger. Toutes les trois secondes, suivez-moi! Si vous voulez mon avis, vous vous trompez. Elle ne devrait pas diriger le Congrès. C'est à cause d'elle que le monde va si bien. Depuis qu'elle a succédé à son père, l'espérance de vie a explosé. Non, elle manque de charisme. Ce qu'il faut au côté obscur, c'est une nouvelle égérie. Quelqu'un comme vous, Colette. Écoute-moi bien, darling. Si tu crois que la flatterie peut fonctionner avec moi, alors c'est toi qui te trompes. La flatterie ne mène nulle part. Non? Ouais. Exemple. Tu peux bien faire croire à une adolescente qu'elle va devenir la prochaine Victoria Beckham. Et ses rêves seront tragiquement écrasés par ses premières règles et une puberté purulente. Non. Non, enfin, je n'essaie pas de vous flatter seulement. Vous ne trouvez pas qu'elle manque de classe? Continuez, darling. Je veux dire, je pense qu'elle se sent menacée par vous. J'ai même entendu dire qu'elle souhaitait réduire les effectifs au sein du conseil. Pardon? Tu étais au courant, toi? Elle veut réduire le conseil. Elle veut me virer. Moi. Et toi aussi, par la même occasion. M'approche pas, vieille peau!
pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Elle a rien à y gagner. Mais elle pourrait garder le monopole sur le mal. Si tu le dis. Si ta femme apprend que tu t'es fait virer du conseil, on ne va pas pleurer. Qu'est-ce que tu veux? Si tu m'aides à garder ma place. Non. Si on arrive à faire en sorte que elle abandonne le conseil, on pourra tous sauver notre peau, notre carrière et nos escarpins. T'en penses quoi, le coquet? J'ai entendu dire qu'elle contrôlait une grande partie de la vente de drogue mondiale. C'est-il pas un peu mauvais pour vos affaires, ça? Qui ça, elle? Elle. Ah, oui, elle. Écoutez, jeune homme, plus le monde se porte mal, plus le marché prospère. Il est donc préférable de s'allier à elle. Et puis, vous savez, je suis un visionnaire. Je regarde vers l'avenir. Hein, j'ai une vision, moi. Je possède un petit laboratoire qui développe des produits révolutionnaires. Vous souvenez-vous de l'histoire de l'homme qui avait perdu la raison et qui a tenté de dévorer le visage d'un sans-abri à Miami? Dites-moi. Eh bien, il avait acheté un de mes produits. C'était vraiment une grande âme. Et de grandes calines. Oui, mais enfin, comment pourrais-je vous l'expliquer? Regardez ce graphique, par exemple. Merci. J'ai pas l'impression qu'elle fasse son boulot correctement. À part les petits pics qu'on voit ici et là, sorties respectives des séries Narcos et Breaking Bad, c'est vraiment pas fameux. Alors en plus, si vous partagez le même secteur, le même segment, oui. Elle va vous évincer pour garder l'exclusivité, c'est certain. Oui, écoutez, je me suis démené pour venir ici. J'ai gravi les échelons un à un. C'est certainement pas maintenant qu'on va me remercier. Je veux dire, dans ce monde, c'est manger, ingérer, digérer, prendre de la nourriture, ou être mangé. Vous comprenez? Je comprends. Mais à votre place, je ferai attention. Le stagiaire a raison. Non mais, tu as vu comment elle nous parle? On n'est pas assez mignons. Elle nous ridiculise et il faudrait se laisser faire. Récré pour tout le monde qu'elle nous dit. Non mais elle s'est pris pour qui, la chef Tenorabel, là? Et puis, son petit air suffisant, là. Ah! Et puis en plus, la confiance règne. Elle n'a même pas daigné nous parler de son plan maléfique. C'est vrai. Le plan va fonctionner à merveille. J'ai perdu une fiche. Quoi? Tu t'en fiches? Je crois que la fiche appartient aux deux là-bas. Non, c'est pas vrai. Chut! C'est là, la moche! Bien. Je propose la mise en place d'un plan quinquennal pour la prospérité du vice. Quelqu'un a-t-il des réserves à émettre? Vous pensez vraiment que 5 ans c'est suffisant pour accomplir des objectifs concrets? Mais oui, Phileas, mais oui. Il n'y a rien qu'à voir tout le souk qu'un président peut mettre en 5 ans dans un pays. Je pense qu'un quinquennat est tout à fait adéquat. Bien, quelqu'un d'autre? Non? Non, mais pas de vous! Vous êtes une bande d'empotés! C'est à cause de vous si les choses ne tournent pas comme prévu! Ah, vraiment? Ça va être de notre faute maintenant. Tu as quelque chose à émettre, peut-être, Colette? Je disais juste qu'en tant que chef de ces empotés, au-delà du choix ignoble de ce mot, tu n'as absolument rien à te reprocher. On en a marre d'être traités comme des larbins. On nous exploite. On nous crève à la tâche. Franchement, voilà. Phileas n'a pas tort. Pour une fois, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ta place? Je veux dire, tu n'as fait qu'hériter des affaires de ton petit papa chéri, mais sans lui, sans Sugar Daddy, tu n'es rien. Nous avons tous une bonne raison d'être ici.
C'est un peu l'accomplissement de nos vies. Alors que toi, tu es arrivé sans même lever le petit doigt. Ni aucun autre doigt d'ailleurs. C'est à se demander si tu lui accordes de l'importance. Je te rappelle que du temps de ton père... Tu as mon père quoi? Je veux le dire moi, comment j'ai mérité ma place ici? De passer aux choses sérieuses. Quand on nous attaque. Chef. Et ça, j'en démords pas. On a raison de capitaliser sur sa valeur actualisée. Enfin, je me dis que... Phileas. Par interpolation linéaire. Phileas. Mon petit louveteau de Wall Street, personne ne comprend rien à ce que tu dis. Et toi le premier. Et honnêtement, who cares? Écoute-moi bien, la crapoteuse. Diantre! Cessez ainsi de vous quereller, séant. N'avez-vous pas saisi l'enjeu de notre présence ici? L'heure est à l'unité, sans quoi le mal ne saurait faire que s'effacer. Alors, si toi aussi, tu pouvais arrêter de causer en mode ancien régime, ça serait mieux. Godefroy de Montmirail et DiCaprio en même temps, moi je peux pas. Je comprends pas. Je
comprends point votre objection, mais... Si mon langage est trop recherché pour ton petit esprit, tu devrais peut-être songer à enrichir ton vocabulaire, ma chère. Mon vocabulaire. Eh oh, c'est bon. On s'en fout de son langage. Et le langage n'est-il pas la clé, le remède, l'antidote, la panacée à toutes nos contrariétés? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Oui, bon, soit. Certes. C'est vrai que elle a le chic pour communiquer, performer, quoi. Alors là, je pense que c'est une toute autre question. Je pense que la communication directe est clairement overvalued, Phileas. N'est-il pas plus séduisant, plus glamour de se taire et de tout se entendre? Oh, tout ceci me laisse songeur. Mais si, enfin! Toute la richesse de nos rapports ne réside-t-elle pas dans le sucré? Tout ce que l'on sent de dissimuler, les secrets, le croustillant, quoi, cette batterie de masques qui nous fait avancer. Est-ce qu'il y a quelque chose, Colette, que tu aimerais nous faire savoir? Qu'est-ce que tu entends par là? Oh, je ne sais pas. Peut-être des choses de ton passé que tu voudrais nous dissimuler. Des choses que tu as peur que elle puisse nous révéler. Quelles informations? Eh bien, il y a fort, fort longtemps, lorsque Colette a intégré notre petite amicale, elle était différente. Différente? Mais différente comment? C'est une page sombre de ma vie d'avant. L'époque où je m'habillais en Dizzy Gwall. Oui, je sais. Dizzy Gwall est un drame en soi et je soupçonne le FBI de les financer. Hein? Tel amour de la médiocrité, Tu digresses. Crèche. Ne prononce pas ce mot devant moi! Bon, Colette, dis-leur, le temps est venu. Voilà. Avant, j'étais... J'étais ronde. Choquée, mais pas déçue. Mais c'était avant. Car 8000 balles de liposuction plus tard et au moins autant d'heures de crossfit, ça va beaucoup mieux. Comment tu l'as su, toi? Eh bien, je suis tombée sur une photographie de toi, Colette. Tu dépassais du cadre. Alors, le 16/9 ne t'allait pas du tout. Enfin bref, qu'est-ce qui pouvait t'aller, hein? À part du persil dans le nez sur un étal de charcuterie, je ne vois pas trop. Oui, je sais. Une pomme dans la bouche et en avant pour le banquet. Je me suis fait prendre à mon propre jeu de fat shaming. Je récompensais chaque insulte par un cookie. Ça va vite? Beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Beaucoup plus vite qu'une collection automne-hiver. C'était terrible. On ne me voyait plus crédible. Les catwalks ne voulaient plus de moi. Tout ceci n'était-il pas dérisoire? C'était pas dérisoire. C'était toute ma vie. Je devais choisir des vêtements ergonomiques. C'est pas beau, mais c'est pratique. Et tu n'as pas pu inverser la vapeur avec mon... petit remède? Non, Phileas, non. Même la cocaïne n'était plus un coupe-faim. Tu aurais dû m'appeler. Bah oui, bien sûr. J'étais au fond du trou. Au fond du pot de Nutella, le couteau comme pagaie. Et c'est là que elle m'a repêchée. À la petite cuillère. Enfin, à truelle, quoi. Et c'est pour ça qu'au fond, je pourrais jamais lui en vouloir. Parce qu'elle a fait de moi une star. Je vous retourne, je n'avais pas abonné.
ce qui vient de se passer là? J'ai cru voir un des nouveaux faire une tentative de meurtre, juste là. Je veux dire, quand il s'est rapproché, machin. Il a osé mettre son pied en travers de... Vraiment? À ce point, t'es sûr? On aurait vraiment dit une tentative de... De quoi? Non, il aurait pas osé. Mais oser quoi? On aurait vraiment dit une tentative. Une tentative de croche-pied. Ouais. Enfin bon, et alors? Et alors, tu comprends pas ce que ça signifie? C'est quand même pas rien, un croche-pied. Enfin, pour ma part, j'ai juste vu un pied dépasser légèrement. On sait. C'était pas un croche-pied d'une très grande réussite. C'était l'intention qui compte. Et l'intention était mauvaise. On a quand même vu pire. C'est vrai que pour des super méchants, c'est pas grand-chose. Mais alors, pourquoi ce pied? À moins que... Eh, il a voulu lui faire du pied. Mais non, abruti. Mais quoi alors? S'ils avaient vraiment voulu lui faire du mal, ils seraient prêts autrement. Un petit attentat, une maladie mortelle, des trucs de vrais méchants, quoi. Et si justement, c'était pas des vrais méchants? Si c'était pas des vrais méchants, ils seraient pas ici, abruti. Des intrus! Trahison! Disgrâce! L'affiche! Les deux nouveaux! Le croche-pied! Tout! C'est lié. Encore l'histoire du stage, là. Ce sont des intrus. Des faux méchants. Venus pour renverser elle et toute sa clique. Sûrement l'armée ou quelque chose du genre. L'armée? Je savais pas que l'armée attaquait à coups de croche-pied. Maintenant, ils osent vraiment tout. Hein. Qui sait ce qu'ils risquent de faire après? Peut-être des écharpes dans les pieds. Ce sera notre occasion à nous de quitter cette maison de fous. C'est débile, hein. C'est pas avec des types qui attaquent à coups de croche-pied qu'on va sortir d'ici. Mais ils ont sûrement un vrai plan. On continue de les surveiller. Notre heure viendra et nous serons enfin libérés. Délivrés. On ne risque rien. T'inquiète. C'est la nouvelle technologie. Il suffit que quelqu'un s'assoie et déclenche cet émetteur juste ici. Et à ce moment-là, on a 10-15 minutes pour s'enfuir. Je crois que c'est pas mal, là. Enfin ! Le dernier ours solaire. Leur fourrure va me manquer. Ce que je voulais vous dire, c'est que, pour ma part, un plan quinquennal est beaucoup trop ambitieux vis-à-vis des enjeux gentio-économiques auxquels nous faisons face. Je veux dire, un septennat me semblerait beaucoup plus approprié. Quinquennat ou pas, même histoire. Elle aura besoin d'un bras droit et je compte bien être choisie. Toi, tu complexes pour quelques kilos en trop et tu penses pouvoir aider la chef à détruire le monde. Et tu te crois drôle peut-être. Mais j'ai d'ambition, moi. Et beaucoup plus de pouvoir, qu'est-ce que tu penses? D'ailleurs, je me verrais bien sur un trône, moi aussi. De l'ambition, ça? Tu veux juste que la chef ait une image favorable à ton égard? Même Phileas fera un meilleur bras droit que toi. Sérieusement, Phileas, car t'as pu son bras droit. Hé hey! Je vous entends, là! Regardez-vous, on dirait des vautours. Vautours? Diantre, comment oses-tu nous traiter de la sorte? Arrête de parler comme un moyenâgeux. Vous chamaillez comme des enfants. Aucun de vous n'est digne d'elle. Ce trône est fait pour moi. Mais qui es-tu pour mériter ce trône? Moi? Hein? Pas la peine de chercher ailleurs la convention du mal. J'en fais un idéal. Sans moi, elle est perdue à cause de tes ennuis. Et comme par voie de elle, je serai exceptionnel. C'est sûr que mon ambition ma misère qui sera partout. Que ma comportera tout. Mais ce que j'ai machiavélique, que ça marche une condition. Que ça marche une solution. Thank you.
Fusion-acquisition pour gagner des millions, parachute d'or.